Alors, dans moins de 30 minutes, nous allons vivre la célébration donc de la messe de Pentecôte présidée par le cardinal André 23. Ça va être dans quelques instants, mais en attendant... En attendant, nous allons chanter avec Glorious. Pour nous réveiller un petit peu, nous allons chanter « Nous annonçons le roi ». Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette deuxième journée du FRAT qui commence. Aujourd'hui, jour de la Pentecôte, nous allons recevoir la force de l'Esprit-Saint. La journée commence ce matin avec la messe de la Pentecôte qui sera présidée par le cardinal André 23. Au cours de cette messe, un moment très important, celui de la séquence où nous prierons avec les 12 000 jeunes pour que l'Esprit-Saint vienne en nous, pour recevoir sa force, pour qu'il vienne habiter nos vies. Au cours de cette messe, comme chaque fois que nous allons à la messe le dimanche, le Christ renouvelle son amitié, son alliance avec nous et nous donne sa force pour être des témoins de son amour dans le monde. C'est ce que nous allons vivre maintenant avec les 12 000 jeunes du FRAT comme une invitation à être en communion avec toutes les messes célébrées aujourd'hui, avec chacun d'entre vous qui êtes présents dans nos cœurs. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur notre vie. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur notre vie. Nous célébrons sa gloire. J'espère que vous avez tous bien dormi, que vous êtes bien reposés, parce qu'une longue journée nous attend. Alors, dans quelques minutes, nous allons vivre la messe de Pentecôte à 12 h.